Premièrement, s'il est quelqu'un, si c'est pour arranger notre ville de Parakou, il est prêt, il a toujours fait ça pour nous. Maintenant, le président Talon, le travail qu'il a bas est très intéressant. On est content. Nous sommes très, très contents. Affaire de M. Rachid Bannamassi, si aujourd'hui j'entends que Bannamassi est nommé le ministre, vous parlez des conseillers. Donc je peux dire que moi, là où je suis, nous sommes fiers. Je ne peux pas dire moi, nous sommes fiers d'entendre qu'il y a vraiment Bannamassi est nommé quelqu'un. Et pourquoi je dis nous sommes fiers? Parce qu'on est avec Rachid Bannamassi il y a cela plusieurs années. Et vraiment, surtout Parakou ici, tel que Bannamassi nous ont gardé, vraiment l'homme ne peut pas dire. Bannamassi, vraiment que Dieu le paye, que Dieu le garde. Bon, d'abord, j'ai accueilli ça avec beaucoup de plaisir. Que ce soit un fils de Parakou qui soit nommé à ce poste assez sensible, c'est une bonne chose. Après Bannamassi, bon, un homme de terrain, tout ça là, il serait bien, tout ça là. Rachid Bannamassi, quand c'est un homme de terrain, saura quand même gérer ce poste sensible qu'est la sécurité et la défense. Et parce qu'on l'attend sur beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain. Malanville, Guinée, le parc d'Ouvé, la sécurité intérieure de nos villes. On l'attend sur le terrain pour qu'il donne les bons conseils vraiment à ses ministères pour que vraiment la sécurité et la défense pénale soient à cette période hyper sensible où le terrorisme fait son entrée dans ce pays lentement, mais inexorablement.